Récemment, Cyril Hanouna a communiqué la date de reprise de l'émission « Touche pas à mon poste » TPMP, fixée au 2 septembre 2024 pour la nouvelle saison. Toutefois, l'animateur pourrait voir l'un de ses chroniqueurs le quitter. En effet, peu de temps après l'annonce imminente de la fermeture de la chaîne C8, un membre de son équipe a exprimé le souhait de se tourner vers de nouvelles opportunités. Bien que l'ARCOM ait récemment refusé de renouveler la fréquence de diffusion de C8, la chaîne ne disparaîtra pas de la TNT avant février 2025. Ainsi, sauf revirement de dernière minute, l'émission « Touche pas à mon poste » TPMP devrait bien revenir sur nos écrans à la rentrée. Ce retour constitue un soulagement pour les fans du programme, bien que celui-ci puisse être marqué par le départ imminent d'un de ses chroniqueurs. En effet, malgré les nombreuses controverses ayant entaché l'émission ces dernières années, et le rôle de Cyril Hanouna, qui semblerait ne plus être aussi central au sein du groupe Canal+, qu'il ne l'était auparavant, Hugo Manos a visiblement décidé de tourner la page, interrogé par Télé Loisirs au sujet de son éventuel retour autour de la table de TPMP. Le chroniqueur a initialement admis « Je ne peux pas dire catégoriquement qu'on ne m'y reverra pas ». Il a toutefois précisé que cela ne constituait pas une priorité pour lui. « Pour l'instant, ce n'est pas prévu », a-t-il déclaré. « En tout cas, ça ne fait pas partie de mes envies ». Cette confession est d'autant plus surprenante qu'il semblait apprécier sa place sur le plateau de TPMP, bien que Hugo Manos n'ait pas souhaité s'étendre davantage à ce sujet. En revanche, celui qui figurera cet été au casting de la saison 3 de Les Traîtres a révélé qu'il avait déjà un autre projet en tête. « J'ai envie de jouer la comédie. Je suis ouvert et je travaille dans ce sens », a-t-il expliqué. « Si on me donne l'opportunité de montrer ce que je sais faire, on pourrait être surpris. » Reste à savoir comment Cyril Hanouna accueillera cette nouvelle.